Eh bien, bonjour, bienvenue dans ce let's play de type Lidl, parce que j'ai aucun moyen de filmer ma Switch depuis la Switch directement, donc je dois filmer mon écran, j'espère que ça ira. Aujourd'hui, c'est l'événement d'Halloween d'Animal Crossing, et c'est vraiment un événement que j'attendais depuis l'annonce de la mise à jour en fait, donc... C'est parti, on va jouer tous ensemble, ça va être trop bien. J'ai tenté de me mettre un petit peu dans l'ambiance spooky, même si on est confiné et que c'est nettement moins fun qu'une petite soirée entre amis, mais bon, voilà, on est en fin d'après-midi et j'attends ce moment depuis ce matin en fait. Salut Marie. Elle est adorable avec son petit chapeau, vraiment ça me rend dingue ce jeu. Un événement Halloween. Les règles sont simples. Porter un costume, distribuer des bonbons. Se déguiser ou se délester, c'est la dure loi d'Halloween. Ok. Je porte déjà mon costume et j'ai essayé de récolter tous les bonbons, mais j'en ai loupé 5 ou 6, je crois. Alors voilà, j'ai mis un petit costume de zombie. Un peu cheap, mais j'aime trop en fait la couleur de la peau et le fait qu'on puisse changer les yeux. Il y a la petite musique d'Halloween, c'est génial. Je vais juste aller récupérer mes bonbons d'abord. Ma maison est en travaux total, j'ai voulu recommencer toute la déco. Donc là c'est vide, mais je vais récupérer mes bonbons. Je suis en plein travaux pour ma ville, donc vous allez voir des trucs qui sont pas du tout finis. Genre là, j'ai commencé à faire une bibliothèque. Mais c'est pas du tout fini. J'ai également un petit cimetière juste là avec quelques petites citrouilles. Mais bon, je vous ferai un tour un peu plus détaillé. Ah, il y a Jaco. Oh, j'aime trop Jaco, vraiment. Oh, il a une voix super spéciale. Une nuit d'effroi ou de délice a commencé. Une nuit qui ne tombe qu'une fois par an, Halloween. Oh, j'adore. Quelle ineffable joie que de sentir l'approche de ce jour. J'en frissonnais d'impatience, ma citrouille. Oh, il m'appelle ma citrouille comme moi je pourrais l'appeler mon frère ou ma caille. Oh non, ne me dites pas que j'ai plus de mémoire. Bon, j'ai dû refaire le setup parce que j'avais plus de mémoire dans mon téléphone. Déjà, je suis vraiment trop bête de ne pas y avoir pensé avant. Mais bref, on en est à discuter avec Jaco. J'ai envie qu'il me transforme en zombie, donc je vais dire non. Couige. Non, on dirait le même. Couige, qu'entends-je? Ta langue a dû fourcher ou bien je t'ai mal entendu. Je vais donc énoncer ma requête de rechef. Je recherche une servante. Moi, Jaco, empereur d'Halloween, je t'autorise à m'obéir. Ok, 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 je t'obéis, mec. Les récompenses pleuvent sur mes fidèles, sur mes serviteurs fidèles. J'arrive pas à lire, je suis trop excitée. Et quelles seront tes tâches? C'est simple, tu partiras en quête de bonbons. Mais j'en ai déjà plein, mec. Tu as des bonbons sur toi, ma citrouille. Des friandises ou un sort? Offre-moi ces délicieuses sucreries. Ah non, pas touche. Prends pas mes bonbons. J'ai jusque-là fait preuve de bonté envers toi, mais cet outrage ne peut rester impuni. Oh, entre la carotte et le bâton, tu as choisi le bâton. Ta maman ne va plus te reconnaître. Oh, mon Dieu. Oh, mais il est en train de me péter la gueule. Voilà ce qu'il advient à qui offusque l'empereur de la terreur. Maintenant, je t'ai remis dans le droit chemin, sois brave, et remets-moi mon dû de sucrerie. Si tu désires retrouver ton apparence d'origine, il te faut un miroir. Ne compte pas sur moi, ma citrouille. Ça y est, je suis un zombie. Oh mais, il y a des petites guirlandes. C'est vraiment adorable. Mais du coup, qu'est-ce que je suis censée faire? Je suis censée aller voir les habitants. Mais ça veut dire que là, ils sont tous chez eux, en fait. Non. Oh, il y a Cédric, mais il est déguisé en grenouille. C'est une grenouille? Si tu ne donnes pas de bonbons aux gens déguisés, tu le regretteras. D'ailleurs, des bonbons ou un sort, donne-moi plutôt des bonbons. Un bonbon pour toi. Ah mais... Non, je vais pas lui donner mes 26 bonbons quand même.
J'espère que je vais pas donner 26 bonbons d'un coup. Oh, mais il t'offre des items! Oh, c'est fantastique! Il m'apprend une mimique! C'est adorable! Je devrais pas dire ça, mais c'est adorable! Oui! J'ai appris à exprimer l'épouvante. Trop bien! Mais attends, je vais... Oh, fou! C'est bon, je lui ai pas donné mes 26 bonbons. Oh, il y a Elvis! Y a... Oh, mais en fait, il y a tout le monde! Il y a Bouloche. Allez, tiens. Donne-moi un bonbon, sinon il va t'arriver rien de bon. Mais tu me fais pas peur, t'as juste des petites cornes. Tiens. J'ai vraiment hâte de voir les items d'Halloween. C'est vraiment... ça fait partie de mes items préférés et de mes événements préférés dans Animal Crossing. Donc... trop bien. Oh, une guirlande Halloween, mais c'est génial! Purée, ce let's play de pacotille va être juste moi qui dis que c'est génial. De manière absolument pas objective. Oh, Elvis. J'aime trop Elvis, avec sa grosse voix. Un bon bec ou une farce, gamine. Alors si tu veux pas que je te joue un tour, tu sais ce qu'il te reste à faire. Oui, tiens, prends les bonbons, mec. Hop. Oh, c'est trop bien. Parfait, je vois que tu avais préparé le terrain. Très bien, ça ira pour cette fois. Qu'est-ce qu'il va me donner comme item? Une sucette. Oh, oui, c'est bien aussi. Vu le prix des sucettes de nos jours, j'espère que t'apprécieras le cadeau. Mais purée. Je pense que Elvis, c'est ce qu'on disait avec mon copain, Elvis, avec ses cicatrices et tout, on pense qu'il a fait partie de la mafia d'Animal Crossing et que maintenant il est repenti. Mais il y a toujours des gens qui cherchent à le tuer. Du coup, c'est pour ça qu'il est ultra distant avec les gens. Allez, on va aller chez Loupio maintenant. Loupio, je l'aime trop, c'est un vieux loup. Et c'est un de mes préférés aussi. Oh, mais il a mis ses petites cornes. Attends. Te voilà, je t'attendais. Après tout, c'est Halloween. Là, ça se sent, c'est le vieux de l'immeuble qui attend les enfants pour leur faire peur. Oh, il me donne un bonbon. Ah, mais... Bah, s'il me donne un bonbon, du coup, il me donne pas de item. Ok. C'est pas grave, je l'aime bien quand même. Ça reste mon pote. C'est vraiment... Je cherche tous les items d'Halloween. Mais j'ai vu Biquette tout à l'heure. Et elle a disparu. Comment ça se fait qu'elle ait disparu? Biquette. Ah mais attends, il y a Rina aussi. Elle est chez elle, donc à mon avis, elle va pas me donner d'item. Elle va juste me donner un bonbon. En plus, j'ai vraiment eu peur parce que je trouvais que c'était assez tardif à venir les costumes d'Halloween dans le magasin des Sœurs Doigts de Fée. Donc j'avais peur de pas avoir de déguisement en fait. Mais finalement... Tout s'est déroulé comme prévu. Blair, est-ce que Blair il va me donner un bonbon aussi? Ça veut dire qu'il va falloir que je trouve tous les autres en fait. J'ai vraiment envie d'avoir tous les items d'Halloween. On va regarder après ce que ça donne. Bienvenue dans mon antre. Ce costume est à tomber raide mort. Tu as large mérité le bonbon que je vais t'offrir, chacal. Il faut vraiment qu'ils arrêtent de me demander de changer leur expression. Bon, on va juste regarder vite fait ce que rendent les items. Je pense que je vais regarder ça chez moi parce que j'ai envie de voir à quoi la guirlande d'Halloween ressemble. J'espère que c'est un truc avec des petits fantômes ou des citrouilles. Après, je sais que pour les joyeux décorateurs, ça va enlever des points si on les laisse hors saison, mais c'est vraiment mes décorations préférées. Je vais juste regarder la guirlande. Ouais. Guirlande Halloween posée au mur. Elle est géniale! C'est trop bien. Du coup, les autres meubles. J'ai quoi d'autre? Non, ça c'est à moi. Décor de table Halloween. Placé. Mais c'est trop bien! Je sais pas comment vous le montrer de plus près. Oh, c'est adorable. Il va falloir que je retrouve les autres habitants. Parce que j'ai vraiment envie d'avoir plein d'items d'Halloween.
Non, il m'a déjà donné. Oh, qu'est-ce qu'il me veut? Encore? Mais je t'ai déjà donné des bonbons. Ça veut dire que du coup, ils peuvent me donner chacun plus d'un item. Je pensais qu'ils pouvaient, enfin qu'il y avait un item par habitant. Alors, un tapis Halloween. Ah, c'est trop bien. Oh. Est-ce que je peux le regarder dehors? Parce que j'ai un peu la flemme de retourner chez moi à chaque fois que j'ai un item. Est-ce que je peux le poser par terre? Je veux voir à quoi il ressemble. Lâcher. Merde, bah non. C'est pas grave, je regarderai ça plus tard. Ah! Oh, c'est adorable! Mais en fait, ils sont tous déguisés en grenouille. C'est quoi leur déguisement? Là, c'est Coco le koala. Vous ne le voyez pas, mais il est adorable aussi. Tiens, prends ce bonbon. Alors, qu'est-ce qu'il va me donner? Un sol Halloween. Ah, mais c'est trop bien. Mais en fait, il va y avoir vraiment toute la panoplie. Genre, je pensais vraiment qu'il n'y aurait pas beaucoup plus d'items que ce qu'il y avait déjà, en fait. Donc, là, c'est Drago. Drago, il me fait trop rire parce que son chapeau, il est vraiment à l'arrière de son crâne. Alors, ils me disent tous la même chose parce que c'est tous des habitants de type normal, paresseux, enfin je... Des habitants qui aiment bien la nourriture. Un mur Halloween! Ah ouais, non mais c'est fantastique, ça se goupille à merveille là. Des bonbons, une farce, par ici les sucreries, sinon je vais devoir te jouer un vilain tour. Oh, elle est adorable. Rose, c'est un peu la star de la ville, genre l'influenceuse et tout. Un plan de bricolage pour une guirlande. Ah, oh, mais c'est... Mais ça veut dire que... Oh, c'est génial! Je pensais pas qu'on aurait les plans de bricolage. Je pensais qu'on pourrait... Enfin, qu'on aurait les items en une seule fois et qu'on pourrait pas les recommander. Ça veut dire qu'on va pouvoir les crafter. C'est vraiment génial. Attends, il y a Jaco. Si je lui donne une sucette. Tiens. Dans mon souvenir, il aime bien la sucette. Je voulais lui donner la sucette, moi. C'est effroyablement délicieux, ma citrouille. Bien, tu as mérité ta récompense promise et due. Devant tes yeux ébahis, je te présente une robe de Jaco. Bon. Ok. Bon, en fait, depuis le début, j'ai vu le carrosse citrouille et il me fait de l'œil. J'ai tellement envie. Ah! Ah, en fait, oui. Je lui donne un bonbon et après, il me demande des sucettes. Ok. J'ai la citrouille qui me démange. Mais ça va pas, non? Je resterai là à hanter les lieux, alors ne reviens qu'avec une sucette. Ne me déçois pas, sbire. Mais t'es sérieux? Comment il me respecte pas? Oh! Elle est trop bien, cette mimique. C'est celle qu'il y avait dans le trailer. As-tu senti ta colonne vertébrale se changer en flanc? C'est la mimique envoûtement. Ok. Oh, trop bien! Elle est vraiment géniale, celle-là. Mais du coup, je vais lui donner ma sucette, peut-être. Tiens. Non! Mais non! Mais j'ai vraiment pas de cerveau, j'ai pas rechargé ma Switch. Elle a plus de batterie. Il doit rester genre... Il y a combien? 15%. Ça va, ça va. Mon impérial estomac réclame sa suave pitance, mais... Tiens, prends cette magnifique sucette et offre-moi le carrosse, s'il te plaît. Joyeux Halloween! Ouah, trop bien! La déesse des douceurs m'amuse. Une sucette, ma citrouille. Toute activité est sursise. Il est l'heure pour moi de me régaler. Délectable. J'en frissonne de délices. Tu as admirablement rempli ta mission, tu mérites une récompense spéciale. Ah, le carrosse, le carrosse, le carrosse. Oh, calèche Halloween, oui c'est ça. Oh, c'est trop bien. Ok,
Super, je vais continuer, mais là, franchement, mon plus grand objectif a été accompli. J'ai eu la calèche, attends, il faut que je la mette. Oh. Oh, purée, elle est incroyable. Elle est fantastique. Oh. Elle est vraiment géniale. Oh, ça fait du bruit. Ah, biquette. Tu peux choisir le bonbon, s'il te plaît. Mais elle est vraiment adorable, biquette. Elle veut faire de mal à personne. Tiens, je t'offre ce bonbon. Oh, c'est génial. Je trouve ça encore mieux que celui sur la DS. En fait, je trouvais ça sympa sur la DS de savoir quel costume faisait peur à tel ou tel personnage. Mais je sais pas. En fait, celui sur la Switch, je l'aime tellement. Je vais l'offrir à Jaco. Et il va m'offrir un cadeau... L'empereur d'Halloween n'a nulle mélasse dans les narines. Mais comment il s'exprime, ça me fait trop rire. Allez. Tiens, Altesse. Prends cette sucette. Ah non, c'est vraiment génial. Joyeux Halloween. Alors, en fait, il va me refaire le même speech à chaque fois, mais c'est pas grave. Une sucette. Ouais. Miam, 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 miam. Oh. Il m'a offert un plan de bricolage. Le plan pour la calèche. Mec, tu régales. Tu me régales, Jaco. Du coup, Bouloche. Ah, j'ai envie de lui faire peur. Toutes. Oh non, Biquette, elle a peur. Qui n'aime pas Halloween? Brouty, c'est ma fête préférée. Ça me rappelle un ami. Est-ce qu'ils vendent des trucs spéciaux chez Méli Mélo aujourd'hui? C'est vrai qu'on peut acheter des bonbons chez Méli Mélo. J'ai pas acheté celui d'aujourd'hui du coup. Mais de toute façon j'en ai quand même pas mal en stock. Donc je pense que ça ira. Ah, on peut acheter l'arche d'Halloween. Mais je l'ai déjà et je connais le craft. Donc c'est pas la peine. Par contre je vais quand même prendre un bonbon par précaution. Allez, hop. 120 clochettes. Allez, ouf. On va repartir terroriser la population. Mais après, ça va. C'est vraiment chill. C'est vraiment l'ambiance spooky. C'est pas l'ambiance qui fait vraiment peur. C'est vraiment une ambiance mignonne. Je sais pas comment dire autrement. Une sucette. Génial. Je vais pouvoir la donner à Jaco. Mais j'aurais vraiment dû me renseigner sur le nombre d'items. Joyeux Halloween, colala. Yo, Jaco. Oh, Biquette. Oui, 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 ok, ok, c'est bon, je suis là, je suis là. Donne-moi une sucette, toi aussi. Comme ça, je pourrais la donner à Jaco. Un seul Halloween, mais j'en ai déjà un. Je crois qu'en fait, on va vite tourner en rond par rapport aux items. Mais je vais aller donner mes deux sucettes à Jaco, et puis on verra... comment ça va se passer, et puis je pense que je m'arrêterai ici, enfin j'arrêterai de filmer en tout cas, je continuerai de mon côté. Mais j'avais juste envie de vous partager un petit peu ce moment et ma découverte de l'événement Animal Crossing d'Halloween, parce que voilà, j'aime trop ce moment. L'automne c'est vraiment ma saison préférée, et le fait qu'il y ait Halloween pendant les vacances, et que ce soit rendu aussi mignon par Animal Crossing, je sais pas, ça me réchauffe le cœur. On peut pas fêter Halloween avec nos amis, mais au moins il y a Animal Crossing. Allez, régale-toi et donne-moi un nouvel item. STP, mec. Ok. Un plan. Une baguette Halloween? Oh non, c'est quand même pas une baguette avec... avec une petite citrouille au bout, un truc comme ça serait adorable. Super, tu sais à présent fabriquer une baguette Halloween. Je veux trop voir à quoi elle ressemble. C'est génial! Oh, elle est trop bien. Est-ce que j'avais pas une autre sucette à donner à Jaco, non? Non, mais je veux grave retrouver toutes les sucettes de cette île parce qu'il va me donner des items vraiment trop chouettes. Je pense que je vais m'arrêter là pour cette petite vidéo let's play, mais... je vais continuer à jouer de mon côté. J'espère que ça vous aura plu.
Et puis je vous souhaite un bon Halloween, même si ça sera passé quand je posterai la vidéo. Mais c'est pas grave, on sera toujours un petit peu dans la spooky ambiance avant de passer tout de suite à Noël. Je vous fais plein de gros bisous et je vous retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo. Salut !